Ouais, bon, bah faut que je retourne à Hollywood. Et voir Nosferatu. Putain, ça me saoule. Ouais, mais c'est ma faute. Enfin, c'est ma faute. Bon, need a ride. Ça arrive, hein, c'est des problèmes de communication. Mais bon, on y va. Et faut que j'aille au cimetière, et blablabla. Bon, j'irai voir Isaac pour ma récompense. Pas tout de suite. Non. D'abord, je vais finir cette quête. Être débarrassé. Pas rendu. Faut que je retourne encore chez moi après. Putain, c'est les rats qui... Ils sont énervés les rats, dis donc, ouais. Ils ont de la force, les petits bougres. Hop là. Ouais, je disais donc, ouais, je tournerai à ma planque pour voir le prochain hub. Qui va sûrement devoir être posé à Hollywood. A priori, il y en a un par zone. Hein. Et puis voilà, et puis on va faire Tani, là. La quête... Et puis voilà. Et puis après, on sera bien. Après, on finira de torchera Hollywood et après on ira à Chinatown. Bon, ça va être rapide, ça va. Putain, Mitnick, il est plus là. Alors, je voulais qu'il me file la quête oralement. Non, ça marche pas comme ça. Bon, la mocheté, elle est où là? Je sais plus. C'est plus loin du coup. Bah, elle est là. Pas du tout. Allez, donne-moi ta quête. Hein. Hey. Ah, blablabla. Discutons. Ouais, d'accord. Quoi d'autre? Oui, les caméras. Oui. Oui, on a tout fait. Allez. Oui, je le fais. Ah, bah dis donc. Ah, le Hollywood. Bon, ça va. On n'a pas besoin de retourner à Downton. D'accord. Ah, bah tout va bien. Oh, bah, je suis content. Ça fera un aller-retour en moins. Un peu moins de route, on va dire. Et bien, retour à la surface. Alors, elle vit... en face du Lucky Star. Bah, c'est là-bas. Ah, mais oui, il y avait une porte. Je me souviens. Je me souviens. Et puis, tiens, on peut rentrer. L'hôtel. Ah, c'était verrouillé. Maintenant, on a le droit. C'est pas son appart, c'est un hôtel. Bon, je sais pas. Ah bah non, oui, il fallait une clé. Normal. On se cache. T'as des magazines, quoi. Bah, c'est des brochures. Bah, c'est un hôtel, alors. Ouais, 101. Bon, alors, elle vit où? D'accord, démerde-toi. Très bien, bon, on va se démerder, ça va aller. T'as la seule porte ouverte, de toute façon. Bien sûr. Bah, voilà. Alors, est-ce qu'elle est là? Histoire de corser les choses. Alors, il en faut un. Ah oui, il y a quelqu'un, oui. Je suis à 100 là, pourquoi? Ça m'a bien caché. Mais elle est là, merde. D'accord. L'essence des vampiros. Oh putain! Elle a un petit copinho. La salle de bain et la chambre à coucher, hein, je présume. Donc ouais, là, on peut voir comme c'est bien caché, ça. Oh. Merde, merde, merde. Ne viens pas là! Je vais te tuer. Tu m'arranges pas, là. Rien, rien, rien. Tu m'arranges tellement pas. Non, 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 non. Oh là là. T'as, hein? T'as pas de flingue, arrête. Mais je suis pas caché, là. C'est une blague. C'est que je te vois, hein. A priori, il bouge pas. Est-ce que je peux pirater ça pendant ce temps-là? Tellement rien à foutre! Ah, faut que je l'active de là! Ah mince, bah attends. Faut que j'en mette encore une. Je l'ai perdu, il est où? Encore là, il bouge pas. 19, 11. Oh là là, il est bon lui. Ah, il est bon lui, c'est un champion. C'est un acteur lui, je pense. Hein. Il s'entraîne. Ouais, sûrement. Faut pas avoir peur, tout va bien. Alors, voilà. Et maintenant, on active... ouais, d'accord, on active les caméras. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ce que je fais. Mauvaise idée. Mais le bruit du pipi...
Bon, je vais finir la chambre en dernier. Si il faille le bloquer. Alors, il fait... Ah, mais il a un flingue. Ce coup-ci, il a un flingue, d'accord. Un mec se promène avec un flingue à la main, ce coup-ci. Ou alors, c'est censé être un téléphone. Qui est là. Super. Alors maintenant, je fais quoi? Parce que... où est-ce qu'il va aller? Il retourne dans la salle de bain. Ah, il a chopé un truc. Ah, il retourne aux chiottes, ouais. Petit problème. Ça arrive. Alors, 3... Je sais que je me dépêche, quand même. Allez. Ah, putain, tu perds du temps. Ah, tu perds tellement du temps. Ah, vite. Ouais, c'est ça. Dépêche-toi. Cléopatra. Nanana. Allez, check les cams. Bien joué. 3 caméras détectées. Bien joué, j'ai hâte de voir cette petite cochonne de Tony en action. Nous surveillons. Sortez discrètement et revenez. Faut que je revienne te voir. Ah, oh, mais mec. Enfin, mec. Madame. Je vous plaît. C'est trop tard, là. Je vais me faire... voilà. Faut que j'attende. C'est triste. Oh, il retourne dans le salon. Sauvegarde. Ah non, c'est trop chiant. Ça passe, là? Bien sûr, ça passe. Ça passe. Ah! Y'a rien, madame. Cache-toi. Bonjour. Super. Nous allons donc nous diriger vers la cuisine. Gentiment. Et puis elle va aller se mettre dans le canapé. Et puis ils vont être bien. Mais enfin, mais t'es une top modèle! Qu'est-ce qu'elle passe son temps à la cuisine? Bon, du coup, je vais me cacher là. Là, elle me verra pas, là. Sous la lampe. C'est discret. Voilà. Elle était venue vers moi parce qu'elle m'avait repéré la première fois. Mais bien sûr. Bah, dis donc. Bon. C'est quoi, ça? 9 vies, encore. On a déjà lu celui-là. On s'en va. Il faut que je retourne au clapier. Oh, bah, je suis content. Je suis content. Ça va, toi? Tu m'attends, hein? Bien. Après, faut que j'aille là, hein, au Aspol. La boîte de nuit de... Enfin, le club, pardon, hein. De Ash Rivers. Le vampire, ancien acteur, hein, protégé d'Isaac. Abraham. Puis après, on ira voir Isaac pour notre récompense. Non, d'ailleurs, j'irai voir Isaac avant d'aller voir Ash. Parce que... Si j'ai bien compris, Ash n'aime pas trop être un vampire. Non. Un peu dégoûté, il peut plus jouer et tout. Il peut plus tourner. Donc il est triste. Donc, si jamais j'aide Ash pour un truc et que Isaac il le prend mal, quoi ou qu'est-ce, plutôt récupérer la récompense tout de suite. Ouais, c'est mieux. C'est plus sage. Did you see the papers? She killed herself. Can you believe déjà it? After the story hit the tabloids, she swallowed half a bottle of Valium and washed it down with a fifth of gin. It couldn't have been more. Nous sommes dans le futur. Vous me rendez malade. Bien sûr, je prends l'argent que vous me devez. Here, you definitely earned it. Vous êtes encore plus malade que je le pensais. À plus tard. On voulait s'amuser et puis voilà quoi. Psychopathe. On voyait bien que. La porte s'est ouverte toute seule, une invitation. C'est Gary qui m'invite. Il y a encore du sang? Non, il n'y a pas de sang. Nul. Ouais. Une bitrice histoire, hein. Mais bon. Expérience et argent. Bon, on crache pas dessus. C'était une humaine, ça va, c'est rien. Voir les choses. Hein. Les humains sont du bétail maintenant. Les rats aussi. Aïe. Cette porte me défigure. Monte au visage. La récompense. Elle a intérêt à être bien. Hein. Il fallait revenir pour la voir. Alors ça doit être quelque chose de... Une sulfateuse. Ça va être énorme. Dis-moi tout. Evening. En fait, c'est mon cadeau. Il n'y a pas à la voir. Here. And thanks again. La perle de Dubaï. And remember what I told you about LaCroix. You're good, kid. He doesn't deserve you.
Ah, t'es sympa. Oh, ce petit sourire. Non, c'est vrai. Ah bon ? Merci pour le cadeau, Isaac. J'en ai souri moi-même quand le moment sera venu. Au revoir, Isaac. Ni une personne. Non, c'est vrai. Il ne me mérite pas. Gracias por le cadeau, Isaac. Fais voir. Comment elle est bien ? Ce joyau est la fameuse perle de Dubaï. C'est très précieux et rempli de vibrations magiques qui donnent un bonus à votre charisme. J'en ai pas vraiment besoin, hein, mais bon. Oh, 4 en charisme. Défense au combat. Comment ? Ah non, tu m'as fait peur. Ah non, ma défense au combat a augmenté. Ah oui, c'est grâce à mes objets. Je crois. Ouais. Alors, charisme, persuasion, c'est tout. C'est bien. J'ai 8. Je suis tellement... Un persuador. Bon, bah c'était pas une arme à feu dévastatrice, mais c'est bien quand même. Les objets magiques quand même. Et où Samantha ? C'est dommage. Elle me manque. Parfois je pense à elle, je me dis... est-ce qu'elle va revenir avec tous mes potes de mon ancienne vie ? Bah alors ! Ah ah, je crois qu'on pouvait pas. Je respecte tellement pas son taxi, le pauvre, il me traîne partout en plus. Qui c'est qui me pousse là ? Bon, ça doit être mes doigts. Alors, Asp Hall, allons-y. Voir un peu ce qui se trame ici. Oh oh. Pas beau ça pour lui. Sorry. Ça, c'est du garde du corps. Une montre, elle est à moi. Bonjour. Ok. Quelqu'un peut me parler ou pas? Il avait un t-shirt Troïka, c'est ce que j'ai vu. Troïka, ouais. Troïka, c'est dans le développeur, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Dans les mails au cybercafé, là, ça a été évoqué. It's a nice night out, huh? Tu peux parler à personne ? Sucks, bro. Oh, mais tu es H ! Qu'est-ce que tu fais là ? Damn, man, get a new CD. Ah non, c'est un type. Maybe you're familiar with my work. The crowd... Souci de H. Ah, d'accord. Who keeps playing this song? Damn, man, get a new CD. Ok, d'accord. Je pensais un petit peu, moi, ça fait longtemps. Fucking me, c'est où ? Bonjour. Do I know you? Il avait été séduit là. Je ne sais pas, peut-être que si je voyais le dessus de votre tête. Ah, non, le derrière éventuellement. Ouais, enfin, derrière de la tête, le dessus. Ah si, ça marche aussi. Oh, je suis tellement innocent, j'avais pas compris. Qui se connaît lui-même, tel est le drame de la vie. Yeah, I think we should see other people immediately and never look back. Alors elle, elle, on peut la séduire et elle me résiste, c'est ça que ça veut dire ? Parce qu'elle m'a pas vu danser, c'est pour ça. Ah, aïe ! Quelle belle musique hein, pour danser, franchement. Alors, deux hommes m'entourent et là, les femmes se barrent. Ça ne danse pas. Ah, 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 ça y est, il y a de la gueuse ? Ah non, ça parle au mec qui tout se voit. C'est extrêmement vexant. Ah, ah, quoique. Non, là, c'est mieux, ça s'arrange. Voilà, on va voir du boobs qui s'agite un petit peu. Ah, il suffira. Je crois que j'ai mérité de mettre un point d'extérité. Crochetage discrétion. Ouais. Après, ah, plus on danse, plus on devient agile. C'est logique. Allez. Putain, mais y a personne. Faut lui parler à lui. Mais non, c'est H. Vous êtes H. Present. Waouh. Vous êtes nul, vous savez pas jouer. Oh non. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. I bet. On voit tes dents, mec. Hein. C'est quoi votre problème? The sun's gone down. Oui, ça lui arrive souvent. Never mind. Je n'aime pas votre ton. Me neither. Sérieusement, soyez un peu plus gentil ou vous serez un peu moins vivant. What's the catch? Vous avez envie de mourir ou quoi? To say yes would be an understatement. What do you care anyway? I could just do it. Just walk out of here and into a legend. Maybe I live, maybe I don't. What's the difference? Vous, ça n'a pas l'air d'aller très fuerte, hein? You didn't see them?
Mais qui t'a? Hunters in front, back, inside my club. I try to leave, they'll move on me. So I had to ask myself, if I go out there, am I prepared to die? How many could I take out before the killing stroke, huh? Two? Three? I could just walk out there, right now, blaze of glory, the end. And you know what? Knowing that, it doesn't bother me. And I guess the only reason I haven't walked out yet is because I'm trying to figure out why it doesn't bother me. C'est donc pas un videur, c'est un chasseur de vampires avec le sabre. Ça se tient. Est-ce qu'Isaac en penserait? Ça ne vous inquiète pas? Si. It would break Isaac's heart. It's good to know some good would come from my death. Vous n'aimez pas Isaac? That story would take too long to tell. Suffice it to say, we haven't seen eye to eye on too many things lately, and it's pissed Isaac off to no end. Par exemple? He kept saying I should keep a low profile. He kept saying I was attracting too much attention to myself. C'est vrai que t'es un sacré fanfaron, hein? Quel mal y a-t-il à rester discret? Tu as dû l'écouter. Oui, quel mal y a-t-il? You don't know me. Non? I can't sit in an office all day and play Hollywood from the shadows. That's Isaac's thing. I'm an actor. I was an actor. I don't have anything anymore except this club and some fame and this curse. Aïe, 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 ta vie, elle est plus dure que celle de Ricky, hein. Oh, oui, oui. C'est chouette d'être un vampire, les pouvoirs, l'éternidad. Et puis on peut dormir toute la journée. I didn't ask for this. I didn't ask Isaac to save my life. Maybe I wanted to die. I was having fun, damn it. I was alive. Who the hell gave him the right to deny me that? I can't act anymore. I can't love anymore. All I can do is... fade into obscurity. Eh bah fais ça. La vie c'est nul et après on meurt, puis on revient à la vie, on meurt encore pour de bon. Ah, il peut peut-être vous aider. Did Isaac send you? Mais... what the hell then would be your motivation to help you? Tu me fais pitié. L'argent, vous êtes célèbre, vous avez l'influence, toujours bon d'avoir des amis influents. C'est vrai ça. T'es tout est célèbre, miam miam. In this town, nobody's really your friend unless you can do something for them. And after all of this, I won't be able to. If you're talking about cash, I can do that. Il peut peut-être vous aider quand même. And what do you propose we do? Vous pouvez changer vos vêtements avec une personne dans le club qui vous ressemble. C'est vrai que t'as un souci en bas. Nous allons nous tailler un chemin dans les égouts et les chasseurs et laisser derrière nous un sillage de sang. Putain, c'est bon. Vous pouvez changer vos vêtements avec une personne dans le club qui vous ressemble. Did you get that idea from a sitcom? Whatever. Look around the club. Je suis pas de l'humanité là, hein. Y reviendrai quand y'aurait trouvé quelqu'un. Voilà. Laisser un licence se faire tuer? Est-ce bien raisonnable? Oh, on est plus à ça près. Do I know you? Tu ressembles tellement! Et vous ne seriez pas H, que vous êtes mignon alors? Salut, j'ai une super émission. Ouais, salut, y a une super émission, on donne de l'argent aux gens pour leur faire faire des trucs dingo. Cash? What do I have to do? Vous avez déjà posé pour des photographies d'art. Changez vos vêtements avec un de nos concurrents célèbres. Vous nous prêtez votre voiture pendant une heure et nous vous donnons $500. Nous vous emmenons dans une région reculée du monde et vous devez retrouver votre chemin. C'est drôle. Vous avez déjà posé pour des photographies d'art? Oh non. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Merde, j'ai plus d'autre choix. No. Sorry, Ah, il sait même pas qu'il est sosie. Tellement innocent, putain. Vous lui ressemblez beaucoup, vous voulez bien vous déshabiller pour moi? I'm not that drunk. Yikes. Ah, j'ai besoin de vos vêtements, donnez-les-moi. Whoa, back up. What the hell do you want my clothes for? Je vais les donner au véritable H. What am I supposed to wear? Vous voyez ce mec là-bas, vous allez porter ses fringues à lui. This is crazy. This is... Oh, I knew I should have gone to Glaze tonight. All right, I'll do it. What do you want me to do? Il est bien de te le dire. Ah non, d'accord. Attendez dans les toilettes pour ombrer. Échangez vos vêtements avec le type qui vous ressemble. Ah, il connaît même pas H, en fait. Oh, il ouvre la porte avec un gros kick.
La virilité. You got the clothes? Si, allez dans les toilettes pour hombre, échangez vos vêtements avec le type qui s'y trouve. You better hope to get these hunters from a temp agency, cause all a pro's gonna do is have a laugh. Je suis d'accord. It works. I'm out of this city. Here, token of my thanks. Ça sera bien dépensé. Mais c'est pas beaucoup par contre. Ah bah c'est fini. Ouais, sinon on pouvait passer par les égouts et faire un petit combat. Mais c'est de la violence gratuite. Hein. Alors que là, un innocent va se faire buter. Voilà, je me disais aussi. C'était bizarre. Hein. J'ai dit à mon père pas d'humanité. Attends. Le jeu, il va à son rythme. Il est tué une vampiro, tu le sais pas. Trois points d'expérience. C'est tellement peu. Allez, je me mets un petit point en mêlée pour faire plus de dégâts avec, avec les armes de mêlée. Il est temps. Et puis j'avais envie. Ah. Aïe. No es bueno. No es un vampiro. Et voilà, tu vas chercher pour meurtre maintenant. Oh. Pauvre personne innocente. C'est pas très gentil quand même. Ce cadavre a déjà disparu. Après tout, c'était peut-être un vampire. Une sortie là-bas? Allons-y. Ah, j'ai pas fait les chiottes. Et ça, c'est grave. Il y a peut-être des trucs intéressants. Il y a peut-être un livre de compétences qui traîne. Tout est possible. Condom. Ah bah c'est de la merde. Partons par là. Bon, bah voilà, je crois que je suis à jour. J'ai plus qu'à tourner à mon repère. Hop in. Pour récupérer la quête du prochain hub. Mais surtout pour aller voir... Super poster de Velvet. Voir s'il y est. Ou voir si je suis aveugle. Je connais déjà la réponse. Je suis aveugle. J'espère. Sur ce coup-là, ouais. Un beau poster. Allez. Bonjour. Ouais, je te préfère avec tes lunettes en fait. Master? Contre l'apparence, changez-la. Ok. On verra ce que vous aurez à mon retour. Je fais une surprise. Alors, est-ce que j'ai un poster ici? Un poster là? Il y a un vieux pissenlit tournesol. Oh! Que se passe-t-il? Le jeu me vole. Troisième up du réseau. Pas beaucoup de temps, je dois faire vite. Metalhead Industries, ça c'est Hollywood, ouais voilà. Un entrepôt, la clé dans votre boîte aux lettres. Allumez le hub, le terminal est dans le service d'administration. À l'arrière de l'entrepôt, à l'étage, sans doute un système de verrouillage électronique. Il est le problème, leur système de sécurité est efficace, mais ne vous faites pas repérer. Ne laissez aucune trace de votre passage. A plus. Objet excellent. De Beckett. Rebonjour. Scott m'a dit que vous aviez interrompu une épreuve du sabbat à la bibliothèque qui l'a presque tué. Ah, c'était une épreuve qu'on a interrompue, d'accord. Nous vous sommes tous deux très reconnaissants et il s'assurera de condamner l'accès à cette chambre rituelle. Inutile de préciser qu'il ne serait pas avisé de parler de ce petit incident à qui que ce soit, pas même à Sébastien Lacroix. Beckett. Parfait. On récupère la clé de Metalwork et on repart à Hollywood. Tac. Alors je sais pas si c'est la dernière ou s'il va falloir aller en poser une à Chinatown après. On va voir hein. Mais 3 ça me paraît bien. Ça fait une triangulation. Ouais. On dit jamais une carrégulation. Ça n'existe pas en plus. Malheureusement que le taxi est gratuit, hein. Metalhead, c'est juste là. Cette porte de merde, là. Elle débruite pas déjà. Sauvegarde immédiatement. Je vois l'ordinateur. Il me tend les bras. Où est-ce qu'ils sont? C'est quoi ça? Oh, mais c'est un gang! Mais. Oh putain! Oh non! Il y a un bruit de ventilateur, il me voit pas lui, la vache. Ah mais j'ai mis un point d'extérité, c'est vrai, je suis un peu plus discret, j'ai 7 maintenant. Hey, who's there? Non, y'a personne, je cherche pas. Ils sont combien?
Merde, c'est un cul-de-sac. Oh. Oh. Ok. Je suis un courant d'air. Hop. Je suis un courant d'air. Bon, alors, très bien. Voyons voir. Administration. Code pisse. Ouvrir. Porte ouverte, c'est parti. Merci, nut nut nut. Les caméras, mais n'ont pas l'air. On dirait plutôt qu'ils ont collé des photos. Donc ça va, ça, on fera rien. On est bien là. Vers cette porte. Oh, c'est vite torché, c'est. Oula, y'a un mec. Un mec à ma gauche. Chut, chut, t'as rien vu, t'as rien vu. Ferme-moi ça. Ferme-moi ça. Il y a des fenêtres, mais c'est pas grave. Ouais. C'est quoi ce bruit de ventilo là? Oh merde. On est tellement malin, putain. Attends. Disparaît. Hey, where they go? Voilà, c'est bien. Pourquoi c'est à zéro mon indicateur là? Alors, c'est ça qu'on a déverrouillé peut-être. Hein. Non, on va le faire de là. Parce qu'on est un génie, coffre. D'abord, commence par le coffre. Ça se passe mal. Très bien. Alors, on va faire le hacking tout de suite. Hein. Bang your head. Ouais, bien vu, bien vu. Shrek net. Impressionnant. Maintenant, sors discrètement, je t'enverrai bientôt un email. Mythnik. Très bien. Bon, alors le coffre. Coffre, on est embêté quand même. Hein. Il me faut combien? Il va pas me le dire. Non, il va pas me le dire. Mais j'ai augure, c'est vrai. Tout va bien. Allez, dis-moi que ça passe. On a 8. Ouais, turbo love. Turbo lover. Excellent. Ouvrir. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Fais-moi rêver. Jouet à tirer. C'est une blague. Un jouet en bois à tirer en forme de canard. Mais pourquoi ils font ça, les gens? Tous des objets qui ne servent à rien dans ce jeu. Ils sont joueurs. Ok, ça fume, ça pose, ça clope. Ou ça pipe à crack. Hein? Je suis pas encore bien discret. Hein. Pas assez. Y a un mec là ou pas? Bah y'a personne, bah on sort tranquillement. Quoi qu'attends, mon indicateur a monté, là il redescend. Y'a un mec là? Oh il me tourne le dos. Ah! Dédé. Ah, le talent. Nouvelles instructions. Ah, c'est pas fini. De toute façon, faut que j'aille tout de suite parce qu'après on va lâcher Nathan, donc ouais. Hein. Autant avoir la quête. Allez, on y va. Where to? Roule. Alors, t'es changé? Non, c'est pas bien. Ton apparence, changez-en. Ok. Allez, mets-nous à la gothique, là, vas-y. Ça va bien, au bout d'un moment. Hein. Alors... Ok, voilà les gros bonnets. Kuei-jin à Chinatown, sous le nom de Kamikaze Zen. Ouais, je sais, c'est japonais. Ne me demandez pas pourquoi. Ils ont un système de sécurité conséquent. Nous recevrons plus de détails à ce sujet. Une fois à l'intérieur, trouvez la salle du serveur et activez le hub. Dernière chose, ils ont un coffre-fort dans lequel ils stockent leurs logiciels, etc. Ouvrez-le et prenez l'argent. Ok. Brouillez les pistes, c'est une mission délicate. Sauvez votre peau. D'accord, d'accord. La clé de la porte de devant est dans votre boîte aux lettres. Notre top a mis un fichier appelé Hooligan sur un des terminaux du bureau. C'est un virus. Trouvez-le, exécutez-le. Ça coupera l'électricité pour que vous puissiez franchir la véritable première porte de sécurité. Oh là là. J'ai pas obtenu le plan des lieux, alors une fois que vous aurez franchi cette porte, à vous de trouver la salle du serveur et le coffre-fort. Bonne chance.
Eh bah ça a pas l'air facile hein. Bah elle est où Heather? Ah t'es là. Ouais, t'as fait peur. Allez, c'est parti pour Chinatown. Need a ride? Emmène-moi chez les Chinois.